C'est parti, la finale de la Ligue des Champions qui vient de commencer. Federico Chiesa. Non, non, ça ne passe pas. Harry Maguire. Ça va devenir compliqué pour lui là. Ouais, ça presse haut. Attention à ce ballon. Personne qui repousse. Ça joue. Oh oui, le but, l'ouverture du score. Ah, oh, ça c'est important de marquer en premier. C'est pas très bien joué de la part du gardien là, qui remet le ballon, il le capte pas bien, et derrière la sanction qui est immédiate. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Excellente intervention. Sterling. Sterling. Ah ouais, bien défendu. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Ryan Sessegnon. On s'approche de la zone de vérité. Il va être à bout portant. Oh, quelle énorme occasion! Quelle énorme occasion de marquer et surtout quelle énorme occasion de mettre l'équipe à l'abri. Toujours un seul but d'avance. Toni Kroos. Là, ça joue pas mal. Ça circule, ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser. Ce sera un corner après ce tacle bien maîtrisé. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Ouais, le gardien qui s'interpose sans problème hein, sur ce corner trop rentrant. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Il y a du monde dans la surface. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Allez, le ballon en retrait. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Alors, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Non, c'est intercepté. Bonne lecture du jeu du défenseur. Federico Chiesa. Attention, il est tout seul. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Oh, il s'est bien défendu. Sterling. Gabriel Jesus. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. On va peut-être assister à une contre-attaque. Personne n'a pas voulu contrarier André le Coréen. Gabriel Jesus.
Federico Chiesa. Alan Saint-Maxima. Oh là là, le ballon complètement hors cadre. C'était tenté en finesse, mais complètement raté. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Alan Saint-Maxima, il fallait le récupérer, hein, ce ballon. On a le Correa. Progresse bien là. Il se trouve vraiment bien, hein, les Citizens aujourd'hui. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Ouais, le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. La passe est interceptée. Alan Saint-Maxima. Il était temps d'intervenir là. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. On s'approche du but. Est-ce qu'il va prendre un avertissement? La frappe, il y avait la distance, mais ce n'était pas cadré. Rodri avec Correa. Il avance balle au pied. Cross. Oh, il a pris un gros risque en taclant comme ça dans la surface. L'arbitre a décompté 2 minutes hein, de temps additionnel. Le tacle, l'arbitre qui laisse jouer. Jones. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. C'est parti, la finale de la Ligue des Champions qui vient de commencer. Ça presse haut, attention à ce ballon. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Ce ballon qui est intercepté. Ça, c'était dangereux, bonne intervention. Il fallait tacler, bien joué. Ah, il a tenté sa chance de la tête, mais le ballon qui passe au-dessus finalement. Il se dit qu'Arsenal aurait récemment fait une proposition à un club pour un futur transfert. On imagine qu'il y a des discussions passionnées parmi les supporters. Ce transfert doit en faire rêver quelques-uns.
Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Un coup franc dans le mur. C'est un ballon perdu bêtement, ça. On est cross. Derrière, il continue là d'avancer. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Bonne séquence de conservation du ballon qui prouve qu'ils peuvent encore revenir dans ce match. Ouais, très très beau geste défensif. On place ça pour une contre-attaque. Et comme il n'y a pas d'avantage, l'arbitre revient à la faute. Il gagne quelques mètres. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Allez, petite combinaison sur ce corner. On a vu que le ballon avait été touché par les défenseurs avant de sortir. C'est donc un corner. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Mauvaise intervention là. Le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. Alors le ballon est perdu. Attention, ça peut être dangereux. Oh, bien coupé là par le défenseur. Le ballon est sorti, ce sera en faveur de Man City. Modri. Un cross. Gabriel Jesus. Attention. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ballon perdu. C'est intercepté. Bonne lecture du jeu du défenseur. Il y a un peu de soutien qui arrive. Ouais, il a gagné son duel. Attention. Et pour qui ce centre? Oh, la bonne parade du gardien. Ce ballon qui ne demandait qu'à rentrer, mais il était là. Quand même, pour égaliser peut-être. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Oh, il était temps d'intervenir là. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Attention, il est tout seul. Oh là là, quelle occasion ratée. Quelle occasion ratée et quel dommage parce que ça aurait fait 2 buts d'avance et ça changeait tout. Ça va être compliqué. Ça c'est un bon ballon récupéré. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, un ballon récupéré. Oh, il était un petit peu sous-dosé là ce lob. Ballon perdu bêtement, ça. Attention, cette occasion, l'une des dernières chances pour... Elle n'est pas passée loin, cette balle.
On était tout proche de l'égalisation. Ça veut dire qu'il faut encore y croire. Hein. Federico Chiesa. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Oh, personne ne peut l'arrêter. Et le but. Oh, ça fait 2 buts d'avance maintenant. Ah, je crois que la finale a choisi son vainqueur, vu le peu de temps qui reste à jouer. Encore une fois, ce centre rasant qui surprend la défense. Cette face à face qui a remporté. Grâce à la frappe puissante et limpide à conclusion. Hein? Oh mon dieu. Ça va graisser les tuyaux. Et ça fait maintenant 2-0 au terme d'affichage. Là, ne brûle pas. Ils accentuent leur avance. Fais très attention. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Et plus tout seul. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Oh, le manque très, de sang-froid. Attention. Le manque de sang-froid. Il n'y a pas de finesse dans le dernier geste. C'est joué sans réfléchir, ça. C'est assez ouvert hein, sur le côté. Attention, l'attaque de Manchester City. En prise. Pourquoi tu t'es pas brûlé? Qui revient à la faute finalement. Mais tire la chasse, sinon ça va devenir tout dur. Campione, campione. D'ailleurs. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Ah, ils monopolisent le ballon tranquillement, ils restent dans leur camp et comme on ne vient pas les chercher, on ne vient pas les attaquer, ça peut durer. Allez, il faudrait qu'ils centrent très vite. Oh, le grand danger! Non, mais frapper comme ça aussi fort, sans viser, ça ne sert à rien. Mais tire la chasse! C'est terminé sur cette victoire. La coupe est à eux.